Bonsoir, j'avais envie de jouer, donc je me suis dit vas-y, une soir, c'est rare que j'en sois live en soir un soir de semaine, et j'avais envie, je suis dans le tunnel cyberpunk, j'avais envie. J'ai pas reçu les cartons de nouveautés, j'avais moins de choses à lire. J'aurais pu profiter de cette soirée où il y avait moins de nouveautés à lire pour rattraper ma pile de retard, mais visiblement j'avais envie de jouer à Cyberpunk. Donc c'est parti et je vois déjà, premier problème, le son qui n'est pas le bon. Son qui n'est clairement pas le bon. Pareil, ça 111 de ça, j'ai pas besoin de 111 de ça. Hop là. Tac, ça c'est bon, ça c'est fait. C'est vrai que j'ai le Guts légendaire, oh là là, ça fait tellement plaisir. Ah, bah c'est parti! C'est pas tout ça, mais. Putain, j'ai déclenché le berserk, j'ai appuyé sur E sans faire exprès. Ce n'est point grave. Bon, la mission est longue, on va pouvoir se faire un petit athlétisme là, avant de partir, avant de commencer les choses sérieuses. Donc c'est parti, celui-là, pas comme ça les gens. Ah non. Tu veux se mettre, on va éviter les flics, mais c'est pas. Je suis dans un quartier assez beau hein, actuellement. On est dans un des plus beaux quartiers de Night City, l'un des plus riches aussi. Le Berserk. C'est annulé. C'est terminé pour le Berserk. Tac tac, tic tic. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est des flics. Hein. Je me suis dit c'était peut-être du gang, mais non, c'est des flics. Ouais, j'ai traversé un petit bonhomme météo. C'est une erreur. J'aurais pu me faire renverser. Canot. C'est pour une voiture. Ce qui m'intéresse guère. J'ai toujours pas. Faut que j'arrête avec ça. Je vais donner un running gag. Si, voilà. J'ai le Guts légendaire. L'arme que me filerait mes élites serait elle aussi légendaire. Mais j'ai peut-être pas fait les bonnes choses, les bons trucs pour avoir le droit à ce que mes élites me contactent. Ou alors c'est plus tard dans le jeu. Il faut avoir passé un certain moment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oh, j'esquive les voitures là. Elle, je vais pas l'esquiver. Grâce au saut aussi. Et pas grâce au saut 6. Pas ouf cette blague. Je vais pas récupérer pour l'instant de trucs et de machin chose. Comment faire? Comment faire son truc et son machin chose? Tout est là. Et hop. Alors. C'est bientôt! Ah bah oui, c'est bientôt! On va peut-être faire une petite sauvegarde parce que c'est bientôt! Le bloom! Du coup, qu'est-ce que t'as besoin? V, jette un œil à la pièce jointe et rends-toi à l'adresse indiquée. Une fois là-bas, tu prendras une voiture à Sergei Karasinski. Il faudra que tu fasses la livraison jusque chez les Tiger Claws. Uniquement de la voiture, je veux dire, pas de Sergei. Tout est clair? J'espère. Faire la mission mais en legit je pense. Enfin en legit pas. En legit pour Wakako, pas pour. Bref. Vous allez comprendre. Serge Caravans. Sergei Caravans qui a appelé. C'est un solo qui agit sans prendre ton réfléchir comme mon mari. Tôt ou tard, c'est un trait de personnalité qui porte toujours. C'est mon seulement sans réfléchir. Il est aussi paniqué. Ça veut dire qu'il paie bien et sans faire d'histoire. Sergei t'attend sur Skillwood. Va le trouver et cherche-toi du cadeau qu'il veut remettre au Tiger Claw en signe de paix. Il ne veut pas s'en charger lui parce qu'ils viennent de l'ajouter sur leur liste noire. Ce gars croit que son petit cadeau va inciter les Tigers à lui pardonner sa terrible. Ok, je vais le faire avec cette voix-là. Donc, allons voir Sergei. Petit. Wakako m'envoie. Ah, c'est donc toi mon vaillant sauveur. Je m'appelle Sergei. T'es con. Oh, appelle-moi S alors. J'ai un petit cadeau pour les Tiger Claws, là, dans le garage.
Vous avez pas l'air très nerveux pour un type dans votre situation. Ah, c'est parce que je suis quasiment tiré d'affaire. Je suis plus qu'à un pas de la liberté. C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes sûr que les Tiger Claws vont accepter votre cadeau? J'en suis sûr et certain. Nous, les Russes, nous avons une bonne intuition pour ce genre de choses. Et toi, tu n'es que la livreuse. Vous avez fait quoi pour énerver les Tiger Claws? Ah, c'était juste un bête malentendu. C'est pas un bête malentendu. D'accord. Ce type, il avait l'air normal. Une barbe, des chaussures marron. Rien qui attire l'attention. Il avait aussi un petit chien, Gospody. Quel genre de tueur à gages se balade avec un chien? Le genre de tueur à gages qui aime les chiens? Vous l'avez descendu? Pire que ça. Bien pire. Ah, j'en ai déjà trop dit. Okay. Très bien, passez-moi les coordonnées. Une petite seconde. Je vais ouvrir la porte du garage. Elle s'ouvre aussi de l'intérieur, au cas où. C'est la caisse, le cadeau? C'est pas n'importe quelle caisse. Mais en gros, c'est ça. En fait, je me rappelais pas à quel point il était insupportable, ce mec. Mais fais pas tout foirer, hein. Je compte sur toi. Et donc, en fait, j'avais l'intention de faire le truc legit. Et j'ai plus envie de faire le truc legit, en fait. Je vais faire le truc pas... Je vais dire bien, c'est pas vraiment bien, mais... On va dire le truc qui le met dans la merde encore plus. Allez, mon gars. Oh, vous êtes pas lui. Dieu soit loué. Vite, laissez-moi sortir avant qu'il revienne. Ça, c'est pas banal comme cadeau. Hein? Quoi? T'es censé être un cadeau. Une surprise d'un certain Sergueï. Quoi? Je comprends pas. Tu sais, comme une danseuse qui sort d'un gâteau. Le gâteau, c'est le coffre. Toi. Et toi, t'es la danseuse. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Et t'es qui, toi? Alex Pushkin, assistant en chef au contrôle qualité chez Biotechnica. Qu'est-ce qu'un corpo comme toi fout avec les Tiger Claws? Vous bossez pour les Tiger Claws? Je leur ai dit que je n'accepterais pas leur offre. Je me rappelais pas de ça aussi. Je me rappelais juste du mec dans le coffre et je me disais... Ouais, pour une fois, je vais faire la mission legit, je vais emmener le mec jusqu'au Tiger, mais en fait, je me rappelais pas, il est là parce qu'il a refusé de bosser pour les drivers, il a refusé de céder au gang. Je peux pas tuer quelqu'un qui a refusé de céder au gang. C'est compliqué. Sors avant que je change d'avis. Je sais pas ce qui se passe, mais merci, vous ne le regretterez pas. Dès qu'on peut faire chier les gangs, je suis content, moi, t'inquiète. Dégage, mon gars. C'est Wakako qui vous a confié ce boulot? Je la paierai. Elle perdra pas un Eddie et vous non plus. Je n'aurais jamais pensé que tu serais du genre à te laisser acheter par un corpo enfermé dans un coffre. Circonstance. Surprise, V. Mais après tout, c'est normal que le plus offrant ait le dernier mot. Oh, je ne parle pas de Sergueï. Non, malheureusement, une tierce partie a fait une meilleure offre. Qui sait ce qui va lui arriver à présent? C'est... L'art du compromis, V. Retiens bien ça. Le contrat est clos. Sergueï me cassait les couilles et le mec dans la voiture a refusé de céder à la menace d'un gang. C'était couru d'avance, ma décision. Je peux pas prendre une autre décision que celle-là, en fait. J'adore trop faire chier les gangs. Alors, jamais je ferais plaisir à un gang comme les Tiger. Prochaine mission. Et juste en haut. C'est même pas loin. C'est même pas très loin. C'est loin. Est-ce que c'est loin? Est-ce que ça n'est pas loin? Ce n'est pas là. Un petit magasin de quartier. Ok. Hop. Tu vois. Bref. Des fois, on fait des choses. Tu. C'est quoi, c'est
On peut pas. Ah, c'est bon. C'est un genre de fast-food. Peut-être pas. T'es proche de monter de niveau, peut-être, mais là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Okay. Est-ce qu'il nous attend? Il faut descendre. Ça revient, ça fait de petits arrières. Je peux sauter comme ça? Hop. V, j'ai besoin que tu récupères quelque chose. Okay. C'est pour moi, il n'y a pas de client. Alors fais ça vite et fais ça bien. Tu vas devoir entrer sur le territoire des Tiger Claws. Les risques sont élevés. Je joins plus d'infos. T'inquiète-toi, Kako. Alors, un grand trésor peut se révéler être une grande malédiction. Ne l'oublie pas, V. Une fourgue. Ah oui, c'est bon, okay, d'accord. Une fourgue de mon territoire, Léa Gladen, a mis la main sur de l'équipement très précieux. Appareil capable de déverrouiller le matériel cybernétique Corpo. Certains l'ont baptisé le Corpo Cracker. Cet appareil ouvre des portes pour les Corpos qui veulent démissionner, mais sans perdre les fonctions de Chrome Corpo qu'ils ont reçues, ou qui veulent se faire un peu de fric en le revendant d'occasion. Léa n'est pas née de la dernière pluie, et sait ce que vaut cet appareil, à négocier longuement le prix, elle et moi. On était sur le point de parvenir à un accord quand j'ai perdu tout contact avec elle. Je te charge de découvrir ce qui est arrivé à Léa, mais surtout de me récupérer ce passe-partout. Inutile de revenir me voir tant que tu ne l'auras pas. Ne perds pas de temps. Ok. Fais pas chier. C'est la carte du personnel. Ok. 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 Je l'ai pas vu, One. Il y a un mec qui... Ah purée, il avait un autre... Okay. Je veux pas prendre la carte du personnel. Je vais essayer de craquer les choses, moi. Je viens de me rendre compte que je veux pas de la carte du personnel. 15 000 louer un appartement? Non, ils se foutent de la gueule du monde. C'est réellement un appartement loué sûrement. Ok, d'accord. J'ai rien dit alors. Y'a pas un. Escalier, c'est ça. Ah, je peux pas y aller, non. Attendez. Escalier. Capacité technique, j'ai eu raison de prendre des escaliers. Oh putain, pourquoi j'ai pas atterri dans la tête d'un top modèle? Ou je sais pas moi, d'un putain de paysagiste. Qu'est-ce qui va pas encore? Je me fais encore traîner dans un bouge infesté de cafards. Oh, voilà ce qui va pas. Aller, Johnny. C'est le boulot. Bon, c'était quoi le code? J'ai eu comment le code? Attends, je peux. Oh, mais quel vieux trou à merde. C'était pas ton truc de traîner dans des squats? Si, quand j'étais défoncé à plus me rappeler mon nom. Je me rappelle plus où j'ai eu le code, en fait. Hein? Dans l'ordi, et le simple fait de déverrouiller l'ordi a dû me donner le mot de passe, en fait. Ça doit être ça. Ce qui fait que forcément... Ah ouais, c'est pas très bien ça, parce qu'en fait, dans les faits, en réalité, je l'avais pas à l'ordi. Salut Léa, salut. Alors, t'as des acheteurs intéressés? Yep, les Tiger, pour le triple du prix que je demandais. C'est bon ça, trop pour être VMM. T'es jaloux, c'est tout. Tout ça parce que j'ai assez de thunes pour chier des billets. Évidemment que je suis, mais ça change rien. Ça pue à des kilomètres tout ça. Si j'étais toi, je laisserais tomber ce deal avant de me faire baiser. Ok, je dois y aller, je t'appellerai depuis Hawaï. T'es relou.
Pas de bol, ma grande. Tu t'es réellement fait avoir. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Tiens, tiens. Des portes secrètes. Oh, le cliché. Ce que les gens peuvent être prévisibles, oh putain. De râler, John. Doit être relié aux portes. Ou à une chasse d'eau quelque part. Va savoir. Les humeurs, John, je le comprends. Alors, Passe-partout. De Fort Boyard. Non. Accroche-toi bien, parce que j'ai un truc qui va te faire tomber de ta chaise. Je vends un petit appareil grâce auquel tu peux jailbreaker du matos des corpos. Efficace à 100% sur les implos comme sur les armes. Ça marche sur tout sauf la technologie Nightcore. Ils doivent utiliser un autre système de cryptage. Dis-moi si ça t'intéresse, mais réfléchis pas trop longtemps, j'ai d'autres acheteurs. Je prends. Envoie-moi les infos pour le paiement et le livraison. On dirait que Léa est allée trouver les Tiger Claws. Kana, j'ai un truc pour toi. Les Tiger Claws sont pas du genre à tenir parole. Il a raison. Voyons si elle a eu de la chance. Oh putain, je te triple la meilleure off. Passe au Weird Head et on va faire l'affaire. Et ça, c'est les trucs d'arnaque. Oh, ok. Eh bah, c'est parti pour le voyage. Je pense que ma grande... Je pense que la pauvre, elle est morte. Hein. Mais bon, hein. Il me dit de sortir par là alors que je peux sortir par là. J'ai l'impression d'avoir tué un innocent en fait. Je suis pas sûr qu'il travaillait pour les Tigers en fait. Je sais pas pourquoi j'ai tué le mec du comptoir. Ça fait un peu malade mental là, j'ai l'impression. J'ai été un peu... J'avais tout en technique, donc j'avais pas besoin de les app, puisque je pouvais juste pirater tout. Je l'ai tué trop vite. Je l'ai un peu tué trop vite. Je sais pas, dans ma tête, c'était un Tiger Claw, puisqu'on parlait, on avait parlé dans la mission des Tiger Claw, mais non, en fait, je me rends compte que c'est juste le gérant de l'hôtel et il n'y avait pas besoin de le tuer, puisque, en tout cas, moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour aller dans la porte, l'appart de manière pacifique, en fait. Je prenais l'escalier, je crochetais toutes les serrures et c'était bon. Je me suis auto-convaincu qu'il fallait le tuer alors que pas du tout. C'est ça d'avoir la force, la puissance physique. C'est que bah, comme c'est la manière souvent la plus rapide, t'as tendance à l'utiliser alors qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est triste mais c'est une belle leçon de vie aussi. Enfin pas pour les mecs qui sont morts, pour eux c'est foutu. Mais bon. Pour moi. Quoi ? Ok. Faut que je réponde à ça ? Une vision sans action est un rêve, une action sans vision un cauchemar, nous ferions mieux de nous en souvenir. Non, mais on ferait mieux de pas balancer des phrases toutes faites comme ça en fait. Faut jamais balancer des phrases toutes faites. Ça va pas, mec. Bon, alors, ils sont où ces Tigers? Parce que là, on va réellement chez des Tigers. Et donc là, on peut casser des gueules sans se poser de questions. Allez, coucou, je viens casser des gueules sans poser de questions. Je dis ça, mais bon, j'ai un peu de temps. Peut-être poser 2-3 questions. Ça s'ouvre pas? Y'a pas de porte pour rentrer dans la cage, comment tu fais alors? Pour sortir? C'est bizarre. Hey. Ah, mais t'es pas content parce que je suis là? J'en ai rien, foot. Ouais, mais je t'ai même carrément éclaté la gueule, mais de façon littérale. Ah, tant pis pour toi, tu casses les couilles. Ah, je peux soit prendre l'ascenseur, mais c'est de la triche, soit je prends l'escalier et je bute tout le monde. Et là, c'est mieux. Ah, j'aime cette façon de faire. Statue hydratée, statue nourrie, c'est bon.
Bientôt 41 et ça j'aime. J'ai pas encore utilisé Berserk. Hein. Donc, ouais. Je mets là. Ah ça y est, on arrive dans une zone hostile. Berserk, hein. On sent que... On sent quoi. On sent qu'on peut faire mieux. Ça, c'est l'ascenseur. Ça, c'est la sauvegarde. Je suis sûr que je peux rentrer là. Je m'en doutais. Il y a des fois dans la vie, on est sûr de certains trucs. Oh là là, par contre, les deux têtes sont mythiques, hein. Enfin, les explosions de tête sont mythiques, là. Ça s'enchaîne à une vitesse. Je te dis pas. Je peux passer soit par le local technique, soit par l'entrée. De toute façon, je m'en fous. Je fais ce que je veux dans la vie. Dans l'école, dans le local technique. D'avoir fait les trucs waouh, pas dans l'ordre, mais en vrai est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de pas avoir fait les choses dans l'ordre. Ah, je peux pas rentrer sur l'ordi. Ok, bon, bon, hey, c'est ouvert, hein. Les mecs tellement vite en fait que j'ai l'impression d'être en mode je fais de l'infiltration. Okay. Viens voir maman. Ah, quand je pense que tant de gens sont morts pour ce truc minuscule. C'est pas la taille qui compte. Tu sais aussi bien que moi que tout ça c'est des conneries. Quoi, le coup de la taille ou Bref. Bon, ça c'est les trucs du passe-partout. Passe-partout de Fort Boyard. C'est un peu triste, j'ai même pas visité le club. Il est cool comme club. Attends, on va baisser. Parce que c'est quand même dommage quoi. De se dire que j'ai pas visité le club. Ah mais y'a que des méchants. Comment ça se passe? Y'a que des méchants. Oh le mec qui parle comme si. Ah y'a un être honneur. Oh bah. T'es résistant quand même. C'est ici qu'il faut activer le berserk. Ok. Voilà. Hop. Ah. Ils sont bons parce qu'ils ont bien reculé. Bien joué. C'est ça d'être trop sûr de soi. C'est de se retrouver à faire des idioties. Des idioties idiotes même. Mais je refuse de pas visiter en tout cas. C'est un petit coin tranquille. Merde, j'ai oublié qu'il y avait du truc là. Là, je peux faire ça en chargeant mon coin. J'aurais pu activer ça directement. Ok. Ok. J'en suis sorti. Il est mort ? Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Merde, il y a encore des gens. Ils ont raison. Ouf. Terre, une fois à terre, de toute façon. Hein. On est juste à l'achever. Et tête, donc je suis sûr qu'elle est morte. Je suis content d'avoir tué. D'avoir tué le maître runner directement. Ça évite des problèmes. On va se. Quoi ? Ah, le mec, il est en train de regarder une déesse. Ah ouais, donc il va pas me repérer. Oh là, il est mort. Ah. Ok. Bon, c'est bon. C'est bon, je pense. Ah, c'est un grand salon ici. Il y a moyen d'avoir des grands salons. Ça fait plaisir. S'il y a besoin, petit bar tenu par un gang. Enfin, qui était tenu par un gang maintenant.
Il est un peu libre. Honnêtement, je rachète ça et j'en fais ma propre affaire. En vrai, en tant que Edge Runner, ça le fait, hein. Petit bar tranquille et tout ça. Faut le protéger des Tiger Claw qui seraient capables de revenir. Mais en vrai, Je pensais pouvoir gagner un Darwin Award. Mais on dirait qu'elle m'a battu. C'est mort d'un shot. Wow. Dommage. De toute façon, vous savez hein, qu'il fallait pas jouer sur plusieurs chapeaux. Sur plusieurs tableaux et que les Tiger la tueraient. Donc il pourrait là. Mais ouais, à racheter. Il pourrait ajouter de la gestion de lieu, hein, Cyberpunk. Tu vois. Gestion de lieu. De temps en temps, si tu protèges pas, si tu mets pas assez d'argent dans la protection, le club est attaqué par les Tigers, par les Maelstrom et tout ça, et tu dois soit le défendre, soit le reconquérir parce qu'ils l'ont conquis, et puis voilà, ça pourrait être un truc assez simple. Ça me rappelle ce bouge à Arroyo, où on jouait des fois le vendredi soir. Pourquoi ? Parce que c'était craignos. Un mot de travers, un regard mal placé, et tu te retrouvais avec une lame dans le bide. Écoute ça. C'est sympa. Ça te fait un peu. De prendre l'escalier. Où je dépose l'équipement. Évidemment. Les flics sont là. J'ai pas tué des gens là, ici. On attend toujours. Je crois que le pire. Attends. Ah, ils sont en colère. Ok. Allez, vas-y. De toute façon, j'ai tué des gens dans cette rue, donc faut mieux que je me tire. Tu me rappelles, c'est là où il y a le marchand de couteaux. Quoi ? Vous faites quoi là, les gars ? Vous êtes là ? Je sais pas, mais. Je sais pas, j'ai pas aimé vous. J'aime pas vous voir là. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Restez à votre place, les tigers. Je devrais peut-être lancer un site internet OEV pour éviter que les membres de gang se trouvent sur mon chemin. Et comme ça. Ils perdront d'hommes au hasard, quoi. Au début, ils s'en serviront pour essayer de me buter, mais ça marchera pas. Et puis voilà. Est-ce que Wakako est content? Je vois que tu as pu trouver l'appareil de déverrouillage. Excellent travail. Continue comme ça. Je clôture le contrat. Attention. Attention, attention. Vraiment, les mecs, vous faites ça devant. Je crois que j'ai tué aussi, j'ai vu beaucoup de points qu'ils étaient en train de d'agresser et je l'ai tué. C'est des choses qui arrivent. Dégâts collatérales. Mais... Ah là là, sa vie, sa vie. Non, j'en veux pas ton coton neurotoxine. Oh non, j'ai pratiquement tout ce qu'il me faut. Hein. Il est beau celui-là. Ok. De toute façon, en arme, j'ai pratiquement ce qu'il me faut. Oh, je vais pas le monter de niveau tout de suite, ça peut attendre un peu. Alors, j'ai monté 18 là quand même. Je vais mettre là. Est-ce que j'ai commencé un truc? Je crois que j'ai commencé un truc un peu au hasard. Ah si, il y a ça. 30% d'étourdir la cible. Et après, à partir de l'étourdissement, j'ai des trucs un peu cool. Réduit la consommation. Ah, de 25%. Et honnêtement, ça, j'aurais dû le faire, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça.
Ah, mais ça, je l'ai toujours pas fait alors que j'aurais dû depuis longtemps. C'est ça que j'aurais dû faire avant, en vrai. Augmente les armes, les dégâts des armes contondantes pour les ennemis étourdis de 50%. C'est ça qu'il faudrait que je fasse aussi. En fait, mince, c'était pas lui qu'il fallait que je fasse, c'était plutôt lui. C'était plutôt lui. Que ça vaut le coup. Wow, ça coûte 10 000 de réinitialiser les avantages. Est-ce que j'assumerai pas ma bêtise? Et puis basta. J'assume ma bêtise et puis basta en vrai. En vrai. Ma bêtise et je l'augmente au fur et à mesure à partir de maintenant au lieu de faire ça. Ah, attends, c'est un seul point hein. Ah mais j'en ai un point. Oui, c'est qu'un point ça, donc en fait je fais ça et à partir de maintenant je fais rafale de coups. En vrai, je suis bête, des fois je me prends la tête pour rien alors que tout est clair et net. J'aurais sauvé au moins une personne et bah je suis content. Des fois, faut se satisfaire de pas grand-chose. Oh, il y a un contrat là-haut. Ouais, bah je remonte. Hein. Ok. Ok, ok. Je crois que c'était une vraie situation au hasard. Je suis sur laquelle je suis tombé. C'était pas un flic, un truc de flic. Mais de toute façon, j'ai pas de truc de flic dans la rue. Zone, ça doit être ça. Et ben désolé, celui qui s'est fait, qui se faisait racketter et qui est mort, parce que j'ai donné des coups de poing un peu au voisin. Tant que les Tiger Claw étaient engagés avec moi, ils ont dû fuir. Ils auraient dû fuir, ils auraient dû fuir. Je suis pas totalement coupable, je suis pas totalement innocent. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ça fait du bien. Ces petits niveaux plus augmentation du niveau du corps à corps. Hein. Okay. Encore des kills axe, j'arrête un peu. Et je ferai un peu de fusil à pompe. Ou de fusil d'atout. Puisque je développerai peut-être assaillant. Je ferai peut-être tous les trucs du nord. Ça pourrait être pas mal. Ou l'âme. Là, ah, ça, là. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Si j'aurais assez, si j'ai assez de points pour monter, monter assaillant, pas assaillant, ça s'appelle réflexe. Réflexe, ouais. Si j'ai assez de points pour monter réflexe, peut-être. Peut-être, peut-être. Je monterai l'âme. Et bon, pour l'instant, on n'en y est pas encore. On est 41 de réputation. Ça, j'aime bien. On est bientôt 45 de répute. Là, les 45 de réputation, attention. Ça veut dire que plus rien peut m'arrêter. Enfin, si, il y a des trucs qui peuvent m'arrêter, mais... C'est-à-dire que je peux aller chercher les bras de gorille légendaires. Ça, c'est légendaire. Peut-être ce soir, hein. Ouah. C'est plus qu'une demi-heure, je pense pas. Pas à ce point-là. Si on voit quelque chose, je pense pas donner assez... Là, c'est beau. Et on est à 100 points. J'ai l'air de me sauvegarder. Réglage, c'est beaucoup plus. Sol est pas. Petite, j'ai une mission sérieuse pour toi. C'est une question de vie ou de mort. La Netrunner est vivante, mais pas pour longtemps si tu n'interviens pas. Bugbear est piégé sur le net.
Si elle se déconnecte, les Tiger Claws l'attendent, prêts à la mettre en pièces comme des vautours. Et si elle ne le fait pas, ses synapses se grilleront tôt ou tard. Je compte sur toi, V. Les pièces jointes te fourniront tous les détails. Père et les Tigers s'entendaient bien. Ils étaient censés faire un casse dans un troupeau de Kiroshi ensemble. Mais elle leur a fait à l'envers. Elle les a laissés remplir une camionnette de matos haut de gamme avant de prendre les commandes à distance et de la sortir de là en laissant les Tigers sur place. Ils avaient aucune chance de s'en tirer. Mais c'est des coriaces. Ils sont pas si faciles que ça à tuer. Demain, ils se sont postés chez elle pour qu'elle leur dise où elle avait planqué le matos. Bugbear s'est retrouvée acculée, alors elle est partie se réfugier sur le net. Elle s'est enveloppée dans des programmes qui la tueraient si elle essayait de la déconnecter. Bien sûr, ils n'ont plus qu'à attendre. Au bout d'un moment, Bugbear sera bien obligée de sortir, ou elle risque de se griller la cervelle. Et les Tigers sont patients, surtout en matière de vengeance. J'ai même tendance à croire qu'ils préfèrent quand les choses traînent en longueur. Sors Bugbear de là et préviens-moi, j'enverrai quelqu'un vous récupérer. Mais veille bien à la déconnecter en toute sécurité. Elle ne sera d'aucune utilité si elle est morte. Ok. Ça, c'est une vraie mission de sauvetage un peu complexe. Hein. Enfin, un peu complexe. Entends-nous d'où bien. C'est complexe quand tu veux la faire d'une manière particulière. Moi, ton mec, j'ai juste tout le monde. C'est pas très complexe. Spider-Man. Spider-Man. J'ai bien envie de la débrancher pour en finir. Peut-être que je la débranche pour en finir. Ouais, mais t'as déjà pensé à te prendre un point dans la gueule? Dis-moi. Alors qu'est-ce que tu penses de t'être pris un point dans la gueule? Tiger en avant? Oh les mecs, vous êtes vraiment débiles. À rien, Tiger en avant, je vais tous vous buter et puis basta. Y'a personne? Ah si. Ah mais tu t'étais mis à l'abri, hein. Ça sert à rien face à moi. Alors. Non, c'est... attends. Tu as laissé mourir la cible. Quoi? D'accord, les accidents arrivent et on ne peut plus rien faire dans le cas présent. Tu sais où est le problème. Tu m'as déçu. J'ai rien compris. Ils l'ont tué, elle s'est pris une balle. Ok. C'est moi. Attends. Ok, je pense que là ça peut le faire. Elle s'est pris une balle pendant la fusillade, elle est morte. Oh le con, je suis pas intervenu assez vite. Ah, chez. Ah ça c'est le gros chez, hein. Waouh. Ah j'en connais des chez, mais celui-là. Bah, tant pis pour ma gueule. Ouais. Qu'à vraiment faire gaffe, hein. Waouh. Oh c'est violent.
après je il y a autant de gens sur ce ils vont pas la buter. Eux ils veulent ils la veulent, donc en fait ils vont juste venir me taper et je suis loin de bugbear, donc en fait ça m'arrange parce que ça veut dire que ils vont juste monter et moi j'aurais juste à buter tout le monde sans risque de blesser bugbear. Son histoire. Et je rends. Okay. Et tellement que je la tue avant qu'elle tire un seul truc. Tu m'as pas dit dans le. C'est là. Soigner, je suis con. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Faire prendre par derrière par un connard comme ça. Oh mais la mission que je pensais simple qui se transforme en véritable supplice. Incroyable. Dans un sens, c'est incroyable. Et dans un autre sens, c'est vraiment la merde. J'avais pas envie de rester 2 heures sur cette mission. J'ai vu comment tu t'es relevé. Ça compte. Ah, ils vont lui tirer dessus, ça m'énerve. On était censé croire qui, hein? Les Netrunners se serrent les coudes. Tiens, tous les messages ont été mis. C'est que tout à l'heure, au final, c'est quoi? Ça m'intrigue. Vous êtes déjà demandé quel effet cela fait de tomber dans un bain d'acide? Enfin, voilà l'occasion de le découvrir. Avant de recevoir mon exemplaire des rois de l'acide, j'étais assez sceptique, surtout après avoir découvert qu'il ne s'agissait pas du genre d'acide auquel je pensais. Et franchement, l'horreur corporelle est un sujet tellement exploré que c'est un tour de force de trouver une nouvelle approche. Mais les développeurs y sont parvenus haut la main.
Vous incarnez Arthur Kerr, un rocker boy maladroit et un peu bizarre, qui se retrouve embarqué dans une embrouille avec le Maelstrom. Les cyborgs chargent Kerr de transporter un mystérieux colis contenant un protozaire capable de se régénérer instantanément. Malheureusement pour notre héros, qui semble totalement dépourvu de chance, un gang rival surgit pendant l'échange et dans un laboratoire scientifique corpo, et Kerr se retrouve projeté dans un cuve d'acide mutagène. C'est là que commence son trip. Le Rocker Boy se met à subir des mutations constantes, des yeux sur des pédoncules, une peau qui change, des tentacules à la gorge, et ce n'est pas le plus effrayant. Après chaque victoire au combat, Arthur absorbe le code génétique des projections de sang de ses ennemis, ce qui rend cette jouissive boucherie encore plus gratifiante. Les possibilités de mutations toujours plus grandes permettent de dépenser ses points d'expérience de façon satisfaisante et assurent une rejouabilité exceptionnelle. Au bout du compte, le but ultime de Kerr est de se venger de son producteur de musique, qui l'a privé d'un contrat lucratif pour un album et a assassiné brutalement son petit ami. L'histoire et le gameplay s'imbriquent parfaitement et le pseudo-implant de dents sensorielles fourni avec chaque exemplaire du jeu aide vraiment le joueur à appréhender les mutations démentes, en éprouvant une douleur atroce qui se transforme en extase de pouvoir. Croyez-moi, c'est une expérience à ne pas rater. Ok, bah je veux bien acheter ce jeu 70 balles sur Steam. Hop, on peut la débrancher calmement, c'est bon. Saoulé là, Tiger Claw. Tiger Claw, Claw, Claw. Ok, on prend encore. Mais de toute façon, j'ai... Merde ! Ah oui, c'est vrai. Hey, j'ai pas le droit d'utiliser Q, parce que Q c'est pour tourner, mais c'est aussi pour... Ah oui. Et où ? Oui, d'accord. Ah mais il y a... Attends. Je suis désolé. Je te dépose juste délicatement. Et je bute ces deux connards. Vous êtes pas deux connards dans un abrisbus, vous. Hein. Vous êtes deux connards dans un... Dans un couloir. Putain, j'arrivais pas à faire la blague. Il est même pas drôle et j'arrive pas à la faire. C'est déplorable. C'est par là la sortie. Attends, je vais ouvrir la sortie, tiens. Pour en profiter. Sur le coup. Putain. Mais merde! Non mais vas-y! J'ai tué personne? Non, c'est bon. Ah mais purée, y'a du monde! Ok. J'étais avec lui. Ce qui fait que quand t'es en Zerti, c'est chiant. Racisme, ça m'énerve. Parce que c'est du racisme, hein. Ne pas penser qu'il existe d'autres types de claviers, c'est du racisme. Pose-toi. Je vais jeter le corps, peut-être pas exagéré. Je vais prendre un peu plus soin du corps. Quand même. Eh bah, cœur pour les putains, quand même. Bientôt, au 45. Je suis ravi. Demain, c'est au 45, cool. On reste en contact. Le contrat est bouclé. Bien. Bah, c'est quand même 6 000, mais ça, c'est pas mal. Les gens, sages que j'ai pas vu, c'est purement Wakano. Ah non, c'était juste pour me dire que ma voiture m'attendait. J'ai fait toutes les missions. C'est autre chose. Ça y est, les missions Wakano sont de retour. 7. Ah purée, la 8ème va apparaître au dernier après avoir fait celle-ci. Bon, c'est pas grave. On est pas à ça près. Est-ce que je vais avoir le temps de faire les deux missions? Ça dépendra de si je fais de la merde ou pas. Vas-y. Doucement.
Mec. Ah, regardez s'il y a des gens sur le passage piéton quand vous conseillez. C'est une. C'est une. Est-ce que c'en est une? Oui, c'est une. Est-ce que c'est une? Oui, c'est une. Il faut que j'arrive. Oh le matin, toujours chaud. Essaye pas de me rouler dessus. Non mais. C'est une blague. Les gens sont une blague. Les gens sont une blague à eux tout seuls. On va essayer d'oublier ça et d'avancer un peu. Parce que là, sinon, j'ai jamais pu pouvoir faire les deux dernières de vos canaux. C'est pas le but, mais si je peux, ça serait assez incroyable de réussir. Oh, mais c'est une blague, j'arrête pas de me faire renverser, et c'est incroyable ça. Je veux bien que je passe au rouge, mais quand même, regardez ce que vous faites. Oh là là, vous devez être maître de votre véhicule, quoi. Cette capacité à être offusqué de tout et n'importe quoi. Je suis sans nouvelles d'un de mes netrunners, alors que je lui ai clairement demandé de rester en contact direct avec moi. Il a dû lui arriver quelque chose. Il n'oserait pas me désobéir. Jette un coup d'œil au briefing et mets-toi au boulot. J'ai besoin de lui. Okay. Depuis des années, je fais en sorte que les missions se passent sans accroc, grâce à une équipe triée sur le volet. J'ai choisi Shang Umnam il y a des années, et il ne m'a pas déçu une seule fois. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais tu dois le ramener. Va voir au sous-sol du restaurant chinois. Il y stocke son matos. Il accepte parfois des missions pour d'autres. Il doit toujours être en vie. Autrement, son fantôme serait venu s'excuser comme dans un de ses vieux contes à gerber. Ça serait bien son genre, vu comment il est sentimental. Ok. Il est full sentimental. Oh, ouais. Des mines. J'ai déjà confié ce boulot à quelqu'un, mais j'aurais besoin de ton aide. Essaie de suivre les traces de Vortex sur le net. Elle en a forcément laissé. Envoie-moi directement tout ce que tu trouveras. Ah, Vortex, c'est pas une qui s'est enfuie sur le net là parce que. Enfin, elle s'est fait aspirer par le net ou je sais plus quoi. On a le truc, oh mince, Vortex, qu'est-ce que je peux faire, blablabla. Hé, hey, ça va? Regarde, c'est toi dans un avenir proche. Les Netrunners finissent tous pareil. La cervelle grillée par de la glace corpo. On dirait qu'il respire encore. Je sais plus s'il y a un truc intéressant. Ok, il a essayé de faire un truc et ça le fait pas. Ok. On va suivre. Oh, allez. Non, parce que j'ai foutu moi. Hop, hop. C'est un point d'avantage, mais c'est cool ça.
on rôde un truc. Ok. Faire des neutrons. Et qu'elle réinstalle, c'est ça? Juste à te réinstaller ça. Une seconde. Attends, je peux pas. Réveille-toi. Hey, arrête-toi. Laisse-moi juste une seconde. Tu m'étonnes. Oh putain. Je sais pas depuis combien de temps je suis là, mais. Je meurs de faim. T'as de la chance. Il y a un restaurant à l'étage. Je sais. Depuis le début, ces odeurs, quelle torture. T'étais conscient alors? Partiellement. C'était un peu comme une hibernation. J'ai jeté un coup d'œil à tes messages. On dirait que ce Spectral Kid avait raison, hein? Ouais, j'ai fini par me faire coincer. Quand il va savoir ça, il va devenir imbuvable. C'est pour ça que t'as pas demandé son aide. Ça aurait fait trop mal à ton ego. Non, c'est parce que j'étais piégé dans le sous-réseau. Les lumières, c'est tout ce que je pouvais atteindre. Dans ça. Une idée de ce qu'il y a dans cette malade corpo? Ah, les jeunes, vous posez trop de questions. Regarde toi-même. C'est peut-être pas une très bonne idée, tout compte fait. T'apprends vite. Tu te demandes sûrement qui m'envoie, non? Wakako. Elle trouve toujours une excuse pour que je dîne chez elle. Passe me voir un de ces quatre. Je t'apprendrai quelques trucs de Netrunner. C'est pas moi qui viens de sauver ton cul. Tu sais, on en apprend tous les jours. Et on n'est pas non plus obligé de tout faire tout seul. Merci, j'y penserai. Sache que... Alors, c'est quoi le truc? Alors, c'était quoi? Je vois que tu essaies de mettre la main sur le conteneur de Kate. Tu pouvais pas attendre? Je me débrouille très bien tout seul, merci. Tu cherches à prouver quelque chose, vieux débris? La vieille garde ne renonce jamais, on savait y faire de mon temps, c'est une coterie de ce genre, c'est ça? Dis-moi au moins que tu utilises la puce que je t'ai envoyée. Sans ça, tu vas te faire griller la cervelle. Sans deck, un papy comme toi devrait pas jouer la jouer solo comme ça. Panique pas, je te l'ai dit, tout ira bien. Quoi? C'est genre un baroud d'honneur? Tu veux faire un dernier coup d'éclat ou autre cliché dans le genre? Tu sais quoi? Je n'ai plus rien à foutre. Fais ce que tu veux, vieux saucisse têtu. Vieux fossile têtu. D'accord, il a essayé de faire un truc, il s'est planté. Bravo à toi. C'est ça la mallette? Je peux pas la regarder ce qu'il y a dedans, c'est dommage. C'est un peu dommage. Hop, tac, tac. Comment on ressort? Par là. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai vu les trucs verts au dernier moment. On m'a raconté comment ça s'était passé. Excellent boulot. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu m'étonnes. Je boucle le contrat. Yeah! Eh ben, ça rapporte du fric. Et dernier train de Wakako, je pense. Tout de suite. Ah, il n'est pas débloqué tout de suite. Bon, on va aller tout en bas alors. C'est pas débloqué tout de suite. Débloqué tout de suite. Ah, ça y est. Ouais, je prends mon travail au sérieux. Tu as gagné seulement mon respect, mais aussi celui de clients plus importants. Je te confie les meilleurs contrats à compiler avec respect. Alors, t'en as qu'un. Gros contrat Wakako, hein, me la fait pas moi. C'est pas moi. Comme il est un peu tard, pour une fois, on va y aller en moto parce que j'ai envie de le faire. Allez, en moto. Allez, là. J'ai très envie de la faire avant d'aller pioter. Donc, j'ai équipé mon jeu. C'est je ne suis pas un petit pit, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. C'est pareil. Allez.
Peut-être que j'avais foncé dedans, mais je me suis dit, est-ce que c'est grave? C'est pas... Salut. Par contre, voilà, faut faire un minimum attention, parce que sinon... Foncer dans les gens comme ça, c'est pas grave, mais ça ralentit, hein, donc bref. Si vous pouvez... Déjà, ça m'énerve, il y a deux trucs. Alors que j'ai dit que celui-là, j'en avais plus besoin. Donc, vraiment. Tant pas perdre de temps à sembler pinceau dans le GPS. Ok. Ah bah tiens, par contre, j'ai plus. Bon, ça va. Tac et tac. Ah, attends. J'ai récupéré un point d'avantage aussi. Oh là, qu'est-ce qu'il faut pas tout faire avant de se préparer. Voilà. Je vais commencer ça. Et non, bah, puisque j'y suis. Et bah non. Oui. Il y a tout qui est mieux. Ah, mais ça veut dire que je peux prendre ça. Ok. Ok, et ici. C'est parfait. C'est mort. C'est dommage. J'ai besoin de quelqu'un de discret pour une opération éclair. Il s'agit de poser des mouchards dans un lieu sous haute surveillance. Tu as le briefing, lis-le. Les gens ne devraient pas s'éloigner de la route, et les tigers ne devraient pas quitter les steppes montagneuses. Le malheur pourrait sinon les frapper. Toki Kazo, le chef des Tiger Crow, se croit malin. Il pensait que j'apprendrais pas pour son accord au sanctuaire Shinto de Milgroth Cray, Terrace. Il croit que j'ignore ses réunions secrètes au Oden du sanctuaire. Il croit pouvoir diriger Japantown sans mon influence. Il se trompe. Je vais te donner un dispositif d'écoute à placer juste sur le Shentai, à l'endroit le plus sacré d'un sanctuaire Shinto. Ne fais pas de bruit et ne me déçois pas. Il n'y a pas de problème, mais en fait je pense que je peux la faire assez rapidement grâce à l'invisibilité. On va voir. Bien sûr, faut être assez discret, hein, mais... Allez, vas-y, par contre... Voilà. Un modèle. Ah, il y a des snipers, en fait. Ok, j'ai intérêt à faire gaffe. Ah oui, il y a des snipers. Ah, je pensais pas. Ok. Mec, qui c'est qui m'a vu? Ok. Installer une brûlure. Invisible, c'est pratique. Je peux pas désactiver ces anciens temps, je m'en fous. Ouais, j'avais pas envie. Parce que là, je sors sans invisibilité, je pense que je me fais avoir direct. Ok, ça atteint synaptique, c'est bon. Ok, tac, tac, tac,
Ok. Ok. J'ai eu ne pas se faire repérer. Personne ne t'a vu entrer ou sortir du sanctuaire, V. Un vrai fantôme. Yeah. Excellent travail. Je boucle le contrat et je te transfère l'argent. Ça, c'est beau. En vrai, ça, c'est beau. Wow. Ah oui, pas petit contrat. Gros contrat. Yeah. Petite récompense au dépôt qu'on va aller chercher tout de suite, là. Qui fait plaisir, en vrai. Oh, j'ai eu raison de le prendre, ce mode là d'invisibilité. Je savais que ça pourrait me sauver la vie face à des moments où j'ai l'obligation de discrétion en fait. Et j'ai eu raison. Parce que c'était évident qu'à un moment donné j'aurais besoin de discrétion. Oui. Tac. Par contre, ça fait que je suis au niveau. Ah, je suis pas au niveau 43. Et ça, c'est une honte. Est-ce qu'ils ont disparu ou ils restent? Parce qu'en fait, pour récupérer le bonus, je le récupère quand je veux. Et je peux dépasser. Est-ce qu'ils sont toujours là ou est-ce que ça disparaît une fois que... Sors Guts, les mecs, vous êtes tellement dans la merde. Sortir Guts, là. Qui me tire dessus là? Ah, c'est le snipe évidemment. J'ai pas les deux trucs. C'est un peu. Ok. Ah, le deux que j'ai tué n'a pas suffi. Ah, là. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'expérience et tout juste à la fin. On a tout débloqué. Enfin, quand on a fini. Oh bah c'est pas grave, il y en a un corps à survécu. Chanceux le mec. Chanceux. Par contre, je suis désolé pour Akiko. Hein. Ils vont, je pense, changer d'endroit les mecs. Connecté comme ça, ouais. Ok. Le run, tu n'auras ça. Ok. C'est des taggers. Je fais un peu ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Là. Est-ce que je peux l'ouvrir ça? Ah non, pas ouais, ça, je peux. Ah, mais il est descendu! Très bien. C'est le dernier, mec. Le dernier. Je pense que tous les petits copains sont morts. Il y a vraiment aucun problème. Genre tellement pas de problème.
putain, je peux pas la désactiver, elle. Peut-être un peu sur... sur efficace, le Guts, pour juste une caméra. Je voulais être sûr qu'il soit mort, et effectivement, je pense qu'il est mort. Ok. Ici, il y a un corps par là. J'ai laissé des corps par là. Ouais, j'ai laissé des corps par là. Ah oui, parce que tu peux rentrer par là si t'as envie et tout ça. Ok. Bah voilà, c'était une mission rondement menée. Bon, effectivement, j'ai... Il manque pas grand-chose pour avoir l'expérience... pour avoir l'expérience du prochain niveau, mais... J'ai eu... Oh. Tout ce qui est comment ça s'appelle des mots influence, non pas influence, c'est réputation. Et je voulais pas venir, ça arrive des fois, les mots ne veulent pas venir, ils sont vexés et ils viennent pas. Je sais pas où je suis là. Capacité à ne pas savoir où je suis et c'est affligeant. Merde, y a pas de... Ah, alors je suis perdu. Perdu en moto, ça sert à rien. C'est genre je suis vraiment perdu quoi. Je suis perdu en mode... Toi passe pas par ici normalement. Qu'est-ce que tu fous là mec? Tac, voilà, allez, dépôt. Et de retour, c'est pas comment, par magie, mais c'est pas grave. Ok, et où les et bien kiffé, j'ai envie de dire je les ai vus un gros miné, mais c'est surtout que tout était bien qui finit bien. C'est quoi qui a explosé? Aucune idée. Bon, 43 de réputation, ce qui fait que j'aurai 45 demain, ce qui fait que la vie est belle. Ok, tac tac tac. Encore une combinaison d'Azmat d'Arasaka, mais c'est une toit verte peu courante. Je vois pas la différence, mais bon, bref. Ok, ok. Et... Oui. Oui, bien sûr. On va tout... On va tout changer. C'est vrai que... En troisième arme, là... Comment ça s'appelle? Celui-là, la mitrailleuse légère, elle est un peu vieille. Qu'est-ce que je pourrais faire en arme? C'est quoi ça? C'est un fusil de précision, pas besoin. Ouais, ils ont... J'ai pas de... Ok. Pas de problème. Fusil d'assaut. Ah, j'ai pas de fusil d'assaut violet ou jaune. Ah, c'est dommage, ça. C'est la vie. C'est la vie. Je peux pas regarder. Bon. Misez pour ça. Je voulais soit faire une petite mitraillette, soit faire un fusil d'assaut. Mais... Je vais garder sur ça. Hein. De toute façon, je suis pas à ça près. Pour Kako, c'est terminé. J'ai tout fait. Donc, je vais redescendre tranquillement et finir ça. Allez, hop. On va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain de 8h30 à 9h30. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.